commencer tranquillou l'enquête. Donc, petit dictaphone là aussi dans ce couloir. En arrivant, ça a brassé déjà. Donc, on fait petit tour vite fait. On a pu refermer un petit peu toutes les fenêtres qu'il pouvait y avoir à ce niveau. Bon, il y en a qui sont cassées malheureusement. On est venu vous dire bonjour, probablement une dernière fois, puisque vous savez que votre endroit va être remis en état. Donc on aimerait avoir une dernière communication avec vous, si le cœur vous en dit. Déjà, on aimerait aussi savoir si ça vous fait de la peine que votre lieu va être remis à neuf et que vous allez devoir cohabiter avec des personnes. Donc n'hésitez pas à nous faire un signe par un bruit, à nous parler. Il y a des dictaphones qui sont en route, des petits appareils. Si vous parlez, on pourra vous entendre après, pas tout de suite. Sinon, n'hésitez pas à faire beaucoup, beaucoup de bruit. On a placé aussi des petites boîtes blanches dans le couloir. Si vous passez devant, les petites lumières vont s'allumer. On est déjà venu plusieurs fois ici et on a eu quand même pas mal de répondants avec vous. Ça a été fait de différentes manières. Une fois où je suis venu tout seul, il y a eu énormément de bruit. D'autres fois, vous avez joué avec nos instruments, qu'on pourrait sortir d'ailleurs, et 7 degrés. J'ai un instrument qu'on a déjà utilisé ici, dans les mains. En fait, il vous suffit de vous rapprocher de moi. Et ça permettrait de jouer avec les petites lumières qu'il y a dessus. C'est bon. Ou si vous avez envie de communiquer autrement, comme vous l'avez fait souvent ici, avec plein de bruit, vous êtes chez vous, donc faites comme vous avez envie. Allez-y, n'hésitez pas à montrer que vous êtes avec nous, par des bruits ou autres. Essayez de passer dans le couloir qui est en face de nous. Il y a des petits détecteurs. Si vous passez par là, ça va les déclencher et ça va allumer le couloir.
On est peut-être là, ici, pour peut-être la dernière fois, avant que cette maison soit entièrement réhabilitée. Est-ce que vous pourriez faire des bruits, s'il vous plaît, assez fort? Allez-y, n'hésitez pas, c'est la dernière fois qu'on se voit. Est-ce que ça venait de vous, ce bruit, à l'étage du dessus? Est-ce que vous avez moyen de vous rapprocher? N'hésitez pas, moi ça ne me dérange pas du tout, vous pouvez vous approcher très près. De moi aussi. Et j'ai même allé plus loin, si vous avez même envie de me toucher, ça ne me dérange pas. Je sais qu'ici, on est quand même bienvenu. Faites-nous des jolis bruits. C'est une porte. Je sais pas d'où ça venait. C'est qu'on a les bruits un petit peu d'un bout à côté. Oui, c'est dommage. Mais par contre, mais j'ai pas bien, truc à côté, hein. J'ai bien entendu la porte là. Ouais. Comme si elle s'ouvrait et elle se refermait derrière. J'entendais un truc comme si c'était traîné en fait. Alors est-ce que c'est un bas de porte et comme ça? Peut-être. Est-ce que vous pourriez recommencer ce bruit, s'il vous plaît?
Est-ce que vous pourriez vous rapprocher de moi, s'il vous plaît? Faites-moi plaisir, faites un petit peu du bruit, au moins au premier étage qu'on entende bien. Ça vient de claquer. T'as pas entendu? C'est quoi ce truc? Boum, gros boum. Il y a des pas. Ça court. Est-ce que c'est vous qui avez couru? Je ne sais pas à quel étage. Est-ce que vous pourriez, s'il vous plaît, refaire ces bruits que vous venez de faire? On est vraiment à l'écoute. Allez-y, n'hésitez pas, lâchez-vous un peu. C'est toi, Louis, là? C'est moi, mon fils.
énorme. Ça brasse. Ça brasse ce soir. Ça court encore. Attends, je vais faire un truc là. Non, c'est génial. Ah oui, j'adore. J'ai l'impression. C'est chiant. Ah, c'est chiant. Allez-y. Faites comme vous venez de faire. Putain. Mais le dictaphone d'avoir tout fait. Ça change d'endroit. Hein. Ça sera bon, je vous dirai. Faites un très gros bruit comme vous avez fait tout à l'heure. Est-ce que vous pourriez vous rapprocher de nous, s'il vous plaît ? Alors il faut savoir que nous on ne voit pas grand chose, on est dans le noir complet, et quelques petites luminosités. Mais on est dans le noir complet. Vous pouvez venir nous taquiner, gentiment. Et vous nous connaissez, vous savez très bien qu'on n'est pas là pour vous faire du mal. Donc n'hésitez pas. Pour qu'on puisse bien vous entendre, parce que c'est vrai qu'il y a, il y a une route qui est pas loin, qui est assez passante, il faut vraiment que vous puissiez faire un très gros bruit. Ça serait vraiment super sympa. Soyez pas timide. Pas avec nous. Ça fait du bruit là-bas au fond.
Là, vous êtes loin de nous. Moi, je vous propose de vous rapprocher et de traverser le couloir, là. Vous allez être accueilli comme une star, ça va s'illuminer. Et nous, on sera heureux. Ça, c'est clair. Donc, faites-vous plaisir. Vous l'avez déjà fait une fois, quand on est venu. Ça va frapper. Ouf. Tu en échanges un peu, tu reprends la carte. Ouais. Vous avez envie de vous manifester en faisant un petit peu du bruit, mais essayez de jouer avec nos instruments aussi, ça peut être sympa. Là, ça va vraiment montrer que ben, vous avez envie de communiquer avec nous. Il y a fait d'en mettre un là-bas. Mmh. Oui. C'était quoi ça? C'est une porte qui s'est ouverte. Putain. J'adore. Génial. Est-ce que vous pouvez refaire bouger la porte? Eh bien, vous vous dépassez en tout cas ce soir, hein. C'est sympa. Vous vous promenez dans la maison, c'est agréable. Ça te dirait qu'on tente une petite ghost box avant de monter? Ouais, on va essayer. Pas trop long. Pas trop long. On va faire la ghost box. Donc on a ramené un petit instrument que vous connaissez déjà, on l'a déjà utilisé ici. Il suffit juste de communiquer en utilisant des mots, en plaçant des mots dans cette boîte. Et comme d'habitude, hein, on va faire comme on fait d'habitude. Si vous voulez qu'on sache si vous communiquez avec nous, ça serait sympa que vous disiez nos prénoms. Donc moi c'est Jedi,
et Yanine avec moi. Essayez de répéter un des deux prénoms, comme ça on sait qu'on communique. Allez-y. Essayez de dire l'un de nos deux prénoms. Alors essayez de nous dire le vôtre de prénom. Alors on n'est peut-être pas dans la chambre de Bérénice ici, mais est-ce qu'elle peut nous rejoindre ? Vous pouvez lui dire qu'elle vienne nous rejoindre ? On aimerait l'entendre. Montrez que vous êtes avec nous. Dites votre prénom, Bérénice. Ouais, ça va taper.
Écoutez, on va essayer de monter à l'étage du dessus. On recommencera une petite séance de cette Ghostbot, on appelle ça comme ça. On aura peut-être plus de communication là-haut. Donc à tout à l'heure. Alors on est monté au dernier étage, au deuxième. Ah, allez, porte. On va changer une caméra. Ça commence bien ici. À peine on arrive. Sont où les accus? Dans le sac que je porte moi. C'est une fine pochette. Ouais, je cherchais le autre. Non, j'ai changé la pochette. J'arrive avec botte de cul. Donc, on disait qu'on a changé d'endroit, donc on est monté au deuxième étage. On s'est disposé un petit peu pareil qu'en bas. On a entendu brasser tout à l'heure ici. On aimerait entendre en direct, maintenant. Donc allez-y, faites-vous plaisir et faites-nous plaisir. Faites les mêmes bruits que tout à l'heure. Est-ce qu'à cet étage, vous êtes capable de venir? C'est quoi, j'ai touché? C'était toi le bruit métallique là? Ça? Non, t'as fait un bruit métallique. Ça? Enfin, il y a eu un bruit métallique. Ça? Oui. C'est quand tu... Non, c'est bon ça. Mais c'est pour ça que je préfère le dire.
Est-ce qu'à cet étage, vous êtes capable, vous, de venir jouer avec nos instruments? Faire un petit challenge entre étages. Celui qui répond le mieux. Ça peut être sympa. Profitez, il n'y a plus de voiture pour faire du bruit. Est-ce que c'est vous ce bruit? Pourriez-vous le refaire? J'ai entendu un bruit, mais dans la pièce derrière moi. Bah, moi aussi tout à l'heure. Allez-y, faites-nous plaisir. On aimerait vraiment qu'il y ait une belle communication. On a entendu une porte s'ouvrir tout à l'heure. Est-ce que vous êtes capable d'en ouvrir une autre? C'est derrière toi? Non. C'est derrière toi. Bon, ça vous voyez pas ce qu'il y a derrière moi, c'est pas cool. Enfin, faites-le hein, si vous voulez, mais bon, il y en a plein d'autres de portes ici. Je dis ça, je dis rien. Oui, enfin, évitez de claquer celle où je suis, parce que là, je vais trouver. Bah là, tu vas voler. C'est énorme. Et on aimerait bien l'entendre encore une fois. Oui, enfin, moi je te parle de la voix que j'ai entendue là. Ah, la voix, oui. Oui. Est-ce que vous êtes capable de reparler, comme tout à l'heure? Particulier, mais tout à l'heure ça brassait aussi dans la pièce. J'ai pas compris. Je vais laisser en trouver un peu. Est-ce que vous pourriez faire des bruits, s'il vous plaît? C'est bon ça. Ça c'est génial. Thank you.
veux, la caméra, pose-la là-bas en face. Puis on reste au milieu. Oui, je peux pas parce que les deux infrarouges, ça se percute, ça fait des auréoles à chaque fois. Ouais. On s'en va. Ouais, c'est vrai. Allez-y, je me suis un petit peu rapproché, là je suis au milieu du couloir. Est-ce que vous pouvez faire un gros bruit? Dans les pièces du fond. C'était plus vivant quand on était au premier étage. On vous effraie pas quand même. Et pourtant, c'est à cet étage-ci qu'on est le plus oppressé. Si vous vous rapprochez de moi, vous allez déclencher un détecteur de mouvement. Ça serait géant. Si vous pouvez le faire. Vous êtes très calme. Allez, là chez vous, vous êtes chez vous. Merci. C'était quoi? Bah, ça a claqué. Comme un grincement. Mmh. Est-ce que vous pourriez faire un bruit près de moi? Une question bête, pourquoi vous faites toujours du bruit là où on n'est pas? Faites-le avec nous. En plus, on le demande. Il y a trop au milieu, on va échanger. Voilà, on est de nouveau dans le noir. Est-ce que vous pourriez vous rapprocher de moi ou faire un bruit près de pas loin de moi? Si vous vous rapprochez, il y a les lumières qui vont s'allumer. Vous êtes vachement timide maintenant, je trouve. Hein. Tout à l'heure, c'était plus sympa. Si j'ai bien entendu ce que j'ai entendu tout à l'heure, il faudrait que je réécoute. En tout cas, j'ai beaucoup sursauté. Est-ce que vous seriez capable de redire même ne serait-ce qu'un petit mot pour que je vous entende aussi fort que je vous ai entendu? Mais... C'est timide. C'est très timide. Tout à l'heure, ça marchait. Hein. On a les enregistrements. Vous vous êtes fait avoir. C'était où ça? Je sais pas du tout, mais c'était glauque. T'as un grouillement. On est d'accord.
Pourquoi je suis toujours au mauvais endroit, moi? C'est toi qui les attire, en fait, je crois. Les grognements. C'était dans les escaliers? Oui, il me semble bien. Hein. Je peux allumer deux secondes, moi? Bah oui. Hein? Vous êtes de là, tiens. C'est toujours envers toi, en plus, c'est ça qui me fait rire. C'est géant. Allez, on attend une bonne communication, là. On en a eu quelques-unes tout à l'heure. Bah, surtout à cet étage, hein. On oui. en a déjà eu des meilleures, quand même. Faites-nous claquer une bonne porte, là. J'ai connu ça, ici. Et tout à l'heure, on avait laissé la porte de la chambre 21 ouverte et on l'a retrouvée fermée. Quelques minutes, même pas, une minute après. Est-ce que vous pourriez l'ouvrir et la fermer, s'il vous plaît? C'est le réseau, ça? Oui. Ça, heureusement, on n'entend plus. Brasse là-bas. C'est dans ton côté, sur... Ça brasse dans les escaliers. Close que je viens d'entendre. C'était quoi? Un truc usé. Oh purée, mais... J'attire des trucs bizarres. Mais vous? Ça l'a fait deux fois. Allez-y, faites un bruit assez fort, s'il vous plaît. Merci. Bon. Est-ce que vous pourriez vous rapprocher de moi dans le couloir? Vous l'avez fait la fois dernière, on n'était pas là, on était dans une pièce, mais vous êtes passé devant le détecteur de mouvement et la lumière s'est allumée. Est-ce que vous pourriez le refaire là? Le troisième détecteur est dans le sac. T'en as pris trois? Ouais. Oui. Tu vas en mettre un dans les escaliers? Ouais. J'ai mis un autre détecteur de mouvement à l'endroit où on l'avait mis la dernière fois et il s'était déclenché. Vous avez moyen de réenclencher? Là, vous en avez trois, faites-vous plaisir. Oh putain, ça y est. Putain, t'as pas entendu? Bah si, c'était quoi? J'en sais rien, mais tout le sol là-bas a vibré carrément. Je l'ai ressenti jusque-là. Là, vous en avez trois, faites-vous plaisir. Oh putain, ça y est. Putain, t'as pas entendu? Bah si, c'était quoi? J'en sais rien, mais tout le sol là-bas a vibré carrément. Je l'ai ressenti jusque-là. C'est toi qui en a déclenché le détecteur? Bah oui, je me suis. Non, celui-là. Non. Non, c'est pas moi. Regarde. Ah. Ouais. Là. Il est où? Il est là au fond. Mais... Il passe si. Oui, c'est mort. Il était que loin.
Il y a de l'ambiance ce soir. C'est sympa. Ouais, j'ai entendu, c'était très très... Ouais, oui. J'ai entendu un vomissement. Oui, le sol a vibré et jusqu'à moi, quoi. Ah. Est-ce que vous êtes capable de refaire ce... Ou pas. En même place. Vous êtes capable de refaire ce bruit? Est-ce que c'est notre présence qui vous agace ? Une porte ici ouverte. Je suis de plus en plus oppressée. Ah ouais, là, c'est hyper oppressant. C'est un truc de fou. Attends, j'allume deux secondes parce que... J'avoue que je suis pas top, pas très top là. Je vais aller voir là. Ça va voir si là-bas. Oui. Donc je passe. La chambre 21, elle est refermée ou... Elle était grande ouverte. C'est pas celle-là. Elle est ouverte. C'est celle-là ? Elle est ouverte. Non, c'est celle-là. C'est celle-là. La chambre 21. Ah oui, non, c'est celle-là. Vraiment ça ? J'ai entendu une porte ouverte pour le fond. Oui. J'ai entendu aussi. Je repasse devant les détecteurs. Les détecteurs. Est-ce que vous pourriez, s'il vous plaît, réouvrir la porte que vous venez d'ouvrir ou de fermer? J'en perds mes mots. Il est à la maison. Oh putain. Ah bon. Ça a tapé plusieurs fois. Vous avez décidé de vous manifester un petit peu là ? C'était quoi ça? C'était dégueu. T'as entendu un... Non? Ouais, enfin, je sais pas où c'était... C'est quoi ça? Je sais pas. C'est là-bas. Voilà, c'est oppressant, hein. Oui, je suis pas très bien, j'avoue.
Je ne sais pas ce qui a pu se passer à cet étage, qui a pu y vivre, mais c'est très 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 oppressant. On a l'impression que il y a quelqu'un derrière chaque porte. Je pense qu'il y a quelqu'un derrière chaque porte. Je crois, oui. C'est des mots justes. Et comme il y a beaucoup de portes, ça fait beaucoup de personnes. Et c'est ici qu'on entend en général le plus de voix un peu étranges. Essayez de déclencher le détecteur qu'il y a dans le couloir vers l'escalier. Ça grince, mais là je me demande si c'est pas le bon. Il y a un peu de vent là. J'ai une boule dans la poitrine, putain. Tu veux qu'on fasse une pause Ghostbox? Tranquille? Comme tu veux. Ben, c'est pour toi. Bon, ça va. Hein. Une porte, c'est... On est d'accord? Oui. Encore? J'ai l'impression que c'était au rez-de-chaussée. Je sais pas. Enfin, en dessous. C'est en dessous, en tout cas, de vous. Ouais, il y a un peu du vent en haut hein, qui... Ouais, il y a du vent. Qui aide. Mais tous les autres bruits... Non, c'était pas le vent. C'était pas le vent. Non, le vent, ça fait pas courir. Bon, ça fait pas vrombir le sol non plus. Non plus. On est d'accord. Ah, t'as entendu? Non. Ça a claqué. Je me décale un peu. Est-ce que vous pourriez me faire un bruit, s'il vous plaît, pour montrer que vous êtes encore avec nous? T'as envie de faire une séance Ghostbox, toi? Bah, si tu veux. Comme tu veux. Non. Je vais aller chercher. Bon appétit. Bon.
Donc l'appareil que je tiens dans la main, vous connaissez le principe, on a déjà communiqué comme ça avec, à cet étage. Donc on va vous demander de répéter l'un de nos deux noms pour montrer que vous êtes avec nous. Donc soit Jedi, soit Nin. Est-ce que vous pourriez répéter l'un de nos deux noms, s'il vous plaît? Allez-y, n'ayez pas peur, vous avez déjà communiqué avec nous comme ça. Pouvez-vous répéter Jedi ou Nin ? Je me trouve bien calme d'un coup. Allez-y, répétez l'un de nos prénoms, s'il vous plaît. Je vais donner la Ghostbox à Jedi, peut-être que vous lui répondrez plus. Allez-y, essayez de dire nos deux prénoms, que ce soit Jedi ou Nin. Ça serait vraiment sympa. Et on aimerait savoir si Bérénice est avec nous. Vous êtes très timide là. On a connu mieux ici. Pouvez-vous nous dire votre prénom ? Normalement, c'est d'autres qui ont été là.
Donc d'accord, vous ne voulez pas communiquer par la ghost box? Est-ce que vous... Oui, c'est moi. Est-ce que vous... Vous voulez communiquer par des bruits? Donc est-ce que vous voulez continuer à faire des bruits? Avant qu'on vous laisse. Pour nous dire au revoir aussi. Après, on ne se verra plus. C'est peut-être sûrement la dernière fois qu'on vient ici. What is? C'est votre façon de nous dire au revoir? Fenêtre qui s'ouvre. Ou pas. Oui. Il y a toutes les portes qui s'ouvrent. Ça craque de partout là. Est-ce que vous pourriez recommencer avec les portes, s'il vous plaît? Merci, sympa. Allez, encore une fois, s'il vous plaît. J'ai absolument pas bougé. Non. Non. Ah oui. Bon, bah c'est à côté de toi, visiblement. Bah, c'est sorti de la pièce, peut-être. Ah, pas mal, ça. Bon, écoute. Ça, c'est fait. En plus, t'as pas bougé. Oh. Ah. Oh là là. C'est dans tous les coins. Ouhouhou. Chaud patate, j'adore. Et puis ce qui est rigolo, c'est que tout à l'heure il y avait du vent, il ne bougeait pas cette porte. Ben non. Bah, il y a un truc à dire. Oh, mais là, tout le monde qui sort, c'est l'heure des sorties là.
Sortie nocturne. Vous allez faire l'after, c'est ça? Vous pouvez redéclencher le détecteur qui est à côté de moi. S'il vous plaît. Peut-être qu'il faut que vous ressortiez de la chambre. Mais comment il y a de l'ambiance? Ça s'est décalmé, ça revient. C'est quand j'ai commencé à dire qu'on allait partir. Est-ce que vous voulez qu'on reste du coup? Écoutez, si vous voulez qu'on reste, faites-vous plaisir, déclenchez le détecteur à côté de moi. Vous venez de le faire. Puis j'ai jamais été aussi immobile que maintenant. C'est vrai, toi qui bouges beaucoup. Ah ouais. Ben là, j'ai posé la cam et tout là. Et... Vous voulez peut-être qu'on vous laisse tranquille? Faites-nous un dernier joli bruit, et après on vous laissera. C'est une PE de ventre. Ouais. Est-ce que vous pourriez réouvrir la porte, s'il vous plaît, qui est à côté de Jedi? Merci. Merci. Un petit peu plus encore? Allez-y. Encore un peu. Surtout ça. Mais oui. Je sais parce que c'est pas filmé. Est-ce que vous pourriez l'ouvrir un peu plus vite, s'il vous plaît? Pur vieux. Vous êtes trop fatigué? Allez, ouvrez cette porte en grand, et après on vous laisse tranquille.
Ou fermez-la. La porte, hein. Elle a l'air beaucoup. Pour nous dire au revoir, on vous laisse. Bon, je crois qu'on va pas vous embêter plus longtemps. On va y aller. On va prendre tout notre matériel. Oui. Et on vous laissera divaguer tranquillou dans votre maison. Ben, je sais pas, j'ai entendu un truc. Ouais, qui s'est fait tirer. Hein. Oui. Ok. C'est quand on y compare que... Voilà. Ben, ouais. Bon, allez, on va vous laisser. Encore merci. Merci. Et on espère, on va y arriver, que ça se passera bien si cette maison est rénovée. Et que ça vous dérangera pas plus que ça, quoi. Voilà. Allez, merci au revoir. À vous. Merci.